Salut à tous, c'est Idré pour une nouvelle semaine de Clash of Clans. Alors là, ça commence avec un très beau butin disponible. Malheureusement, Napo a eu peur de rentrer dans la ville. C'est dommage. On va regarder quand même. Donc vous voyez, il lance des géants, des gobelins. Alors, il n'avait pas beaucoup d'archers. Je crois que c'est une formation de rush principalement, parce que 12 géants, quelques sorciers, des sapeurs. Ok, c'est plutôt pour le rush. On attaque le plus souvent avec plus d'archers. Donc voilà, il envoie ses quelques gobelins, ses archers. Donc il pique tranquillement, 250 000, c'est pas trop mal. Ensuite juste le roi. Et le géant qui servait à rien, voilà. Dommage. Je suis surpris. Un peu déçu aussi parce que j'aurais aimé faire mieux de cette attaque. Mais... 413 000, 420 000. J'aurais aimé faire un peu mieux. Peut-être gagner. Je passais juste à côté de la victoire. C'est dommage. J'étais quasi à la victoire et quasi à encore plus d'élixirs de pied. Bon, après, il m'a resté un réservoir d'élixir et une réserve d'or que je n'avais pas pu prendre. Mais bon, j'ai pas pris les 450 000. Mais c'est très très beau. C'est ma plus belle attaque maintenant parce que voilà quoi. Ah oui, et j'ai enlevé les effets parce que apparemment ça faisait trop de bruit. Donc voilà, il n'y a plus les sons des archers et tout, des défenses. C'est pas si grave. Hein. Mais il y a toujours la musique. C'est justement pour ça que je laissais le son. Donc voilà. Puis là, j'avais balancé quelques archers tranquilles. Puis la fourreuse. Donc vous voyez, là, je suis à 370 000 d'élixir. Ce qui est très beau. Voilà. Il dit coucou, Auris. Bah voilà. Mais Lenny, donc Strike, ne veut pas apparemment. C'est pas grave. Voilà, j'ai fait 27%. J'avais balancé quelques archers, dont celui-là qui aurait pu me faire gagner. Sauf que la tour d'archer ici a pu lui tirer une flèche. Il était à la limite l'archer, mais il s'est fait toucher. Oui, donc là j'étais, ouais, qu'est-ce que je fais avec 370 000? Il y a des réserves très accessibles. Qu'est-ce que je fais? Bon, je les attaque. Voilà. Donc là je me suis dit, ouais, ça va pas passer à cause des mortiers. Si je balance un sort de rage, ça va passer. Donc je balance un sort de rage. De toute façon, hein, c'est pas ce qui me manque. C'est qu'un sort de rage. Hein. Voilà, donc là, j'étais à 413 000 et j'étais... Bon, maintenant je vais peut-être essayer de prendre les deux réserves côte à côte ici. Donc je balance quelques archers en ligne. Je me balance mon roi et je balance les archers par derrière. Donc les premiers archers étaient censés tanker le roi le temps qu'il puisse arriver. Sauf qu'ils se sont tous fait buter avant. Donc ben, c'est pas grave. Hein. Ok. Donc il y a Yann Lisha aussi qui dit coucou. Voilà. Et donc là je balance le sort de guérison parce que je sais que le roi ne va pas tenir. Mais j'ai balancé le sort de rage trop tard. Donc voilà, c'est pas passé. Et les archers se sont fait buter par le mortier. C'est pas grave, 420 000. Bon, l'élixir noir c'est pas ma plus belle attaque, ma plus belle attaque d'élixir noir c'était 6000. Et mon ancienne plus belle attaque c'était 100 000 en or et 600 000 en élixir. Mais là c'est beaucoup mieux puisque au lieu de 700 000 c'est 800 000 en total. Juste l'élixir noir qui est pas pareil parce que j'avais eu 3000 en attaquant l'attaque super forte là. Elle est dans la playlist des attaques Clash of Clans, sa première elle était pas commentée. Je faisais pas de vidéo sur Clash of Clans à l'époque, j'avais pas de matos. Mais bon, voilà, une très belle attaque. Super, vous venez de le voir. Nous avons perdu notre guerre. Bon, je tourne plusieurs jours après, malheureusement. Donc,
Or, l'ennemi s'est fait attaquer, c'est rare. Donc on va regarder ça. Ok, cochon niveau 5. C'est un go white, mais il y avait deux chevaux chars de cochon. Je sais pas à quoi ils servaient. Je sais pas. Pire, on s'en fiche. Alors cette défaite, je pense qu'elle est due à... En fait, j'en sais rien. Peut-être un des types là, qui simulait les attaques de guerre avec Xmod Games. Bon, moi, je l'ai déjà utilisé, mais je le fais pas. Ça sert à rien du tout. Voilà, elle a pris cher, la reine, là. Bon, j'ai accéléré quand même, parce que... Regardez le maximum des attaques. Ah, cool. Bon, toi, tu me laisses tranquille. Ah, zut, j'ai oublié de réactiver pour mes doigts, qu'on puisse les voir. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, là, les golems, il y en a 3 golems niveau 5. Ça passe super bien dans la ville. Donc, c'est très dangereux. Ils ont beau souffrir à cause des tours de l'enfer, ça suffit pas. Waouh. Le tour de l'enfer en mode multiple là qui attaque. Il y a le roi et la reine qui essaient de défendre. Bon, reste toujours un golem. Et ça fait mal quand même les golems niveau 5. On se rend pas compte comme ça, mais... Voilà, donc la roi, un PK. Boum. Et puis Lenny gagne ses défenses. Comme toujours, évidemment. Bon. Alors, passons à la suivante. Pas grave, hein, pour mes doigts, c'est pas important. C'est qu'une guerre de clan. Xoc, qui s'est pris 2 étoiles. La vache. Ok, encore un go wipe. Avec 3 golems niveau 5 aussi. Punaise, avec les sortes de gel, c'est dévastateur là. Leur golem, déjà qu'ils font mal, niveau 5. Nous, on n'a pas de golem niveau 5. Bon, c'est pas grave. Hein. On ira bien par les avoir. Je pense que nos ennemis, c'était des noobs qui ensuite... ont eu des bonnes troupes parce que ils avaient l'hôtel de ville en avance. Du coup, ils ont privilégié certains upgrades comme leur golem ou leur PK qui sont niveau 5 d'ailleurs. Hein. Ah non, niveau 3. J'ai cru niveau 5, mais non. Ouais, il y a plein de golemites, hein, c'est chiant. Ok, il y a des sorciers niveau 6 qui arrivent par là. Il y a le roi qui tient le coup là-haut. La reine aussi. Bon, ça dévaste tout. Ah, la reine là, elle est vraiment gênante. C'est bon, les sorciers ils vont se faire chasser. Voilà, au revoir les sorciers. Alors ici, il y a une archère ici. La reine des archers s'est fait battre, tant mieux. Pouh, la bombe dans sa gueule, voilà. Boum, au revoir. Ok, il a pillé pendant une minute. Et ça se... On s'en fiche. Alors après, François, qui s'est pris 70% et 2 étoiles. Oui, on a pris extrêmement cher. Ils étaient doués. Ou alors c'est juste qu'ils ont mis le paquet. Bon, en tout cas, c'est une 5e guerre de perdu. 3e guerre en sur 10, là. Sur les 10 dernières, c'est la 3e qu'on perd. Faudrait quand même se ressaisir, je pense. Un de ces 4. Oui, donc le type qui simulait ses attaques, là, que je disais. Il se fait virer. Tant mieux. C'est de l'anti-jeu, de simuler ses attaques de guerre, quand même. Faut pas abuser. Moi, je le fais juste pour le fun. Parce qu'il y en a qui me demandent d'attaquer leurs potes, alors voilà, quoi. Alors j'attaque leurs potes et puis voilà, c'est bon, ils sont contents. Bon,
une attaque aux chevaucheurs qui fait mal. Parce qu'il gère bien ses sorts là, très bien même. Bon, il passe avec un P.K. là en bas. P.K. niveau... Ah, il était dans le château de clan. Un P.K. niveau 5. D'accord. La vache. Est-ce qu'il j'aime cela? Bon, là, bah, y a la reine qui va passer jusqu'à l'hôtel de ville. Il n'y a plus rien pour défendre l'hôtel de ville. Là, il y a un P.K. qui va se faire affaiblir. Là. Et voilà, P.K. est mort. La reine des archers est là. Le roi des barbares qui capte rien en fait. Et voilà, et puis la reine qui termine l'HDV. Bon, c'est vraiment dommage. Bon, pourquoi pas. Je suis déçu de cette guerre. Oh, puis aussi... Oran, il était aussi déçu parce qu'il avait pris 81%. Alors plus faible que lui, je crois. Ok, golem niveau 4 quand même. Archer niveau 6, bon. Ça va. Sorcier niveau 5, ça va. Sapeur niveau 5, ça va. Valkyrie niveau 3, c'est déjà pas mal. Ouais. Eh ouais. Et ouais, il est très bien parti avec ses golems en fait. Faudrait peut-être faire des attaques de villages anti-golems. Je ne sais pas, peut-être. Parce que ça existe des villages anti-golems, donc pourquoi pas en faire pour les guerres. Vu qu'on se fait souvent attaquer au Blue Wipe. En ce moment, en tout cas. Ou alors, on devrait faire autre chose, je sais pas, moi. Bon, par contre, là, c'est le gros fight au centre. Bon, ok. C'est fini pour l'hôtel de ville. Waouh. Comment... Ah, c'est les sorciers. Ils ont pété l'hôtel de ville. Pff, je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils ont fait. Bon, ben, c'est super, tout ça. On a perdu la guerre. Allez, buter les sorciers. Non, les squelettes sont morts. C'est bien, quand même, ce petit squelette. Je trouve que c'est bien. C'est sympa. Sinon, mon village, hein, il avance super bien. Et boum, dans votre face. Mon village avance super bien. Il ne reste que 79 remparts augmentés niveau 8. Ça, c'est cool. Ensuite, Nono, c'est le seul qui n'a pas pris trop cher. Cochignon, un 100%. Bon, en même temps, son hôtel de ville niveau 9, il est assez récent. Du coup, il avait des trucs pas très up. Il a déjà les Arkix. Mais il a quoi ? Une tour d'archer qui est que niveau 9. Deux tours d'archer que niveau 9. Donc voilà, il n'a pas encore tout qui est bien up. Il s'est pas encore rattrapé. Dans ses up. Et il a que 3 défenses aériennes, j'ai l'impression. Ah oui. Maintenant, on a les dragons niveau 4. Asa et Strike ont les dragons niveau 4. Et bientôt Xoc, puisqu'il les a lancés, je crois. Bon, ça c'est cool pour les ennemis qui vont se faire défoncer, mais... Ben, voilà quoi. Bon, après, je vais quand même augmenter la vitesse, parce que... Alors, ici... Ok, la reine des archers, il y a les chevaucheurs qui attaquent, et... Voilà quoi. En fait, c'est juste que ses défenses n'étaient pas encore améliorées, hôtel de ville niveau 9. Du coup, il s'est fait bien défoncer, puisque bah, il avait pas de quoi se défendre contre des telles troupes. Une troupe niveau 5, des trucs d'hôtel de ville... d'hôtel de ville niveau 9, mais très bien up, mais il a un hôtel de ville niveau 9 récent, donc... Donc voilà, quoi. 100%. Puis moi aussi 100%, en même temps j'ai que un hôtel de ville qui est pas encore tout à fait maxé, mais bon, il s'améliore et s'améliore, hein. Faut pas s'inquiéter pour ça. Alors, il m'avait sorti mes archers. Bon, moi je pensais que les archers c'était bien parce que c'était gênant, il y en avait 25. J'ai réalisé que non. Donc là, il essaye d'attirer mes archers dehors.
Voilà, comme ça que j'ai réalisé que c'était pas bien. Il vient, il me balance 3 sorciers, ils ont le temps d'en buter 2. Le troisième, il élimine les 25 archers d'un coup. Super. J'étais bien deg. Et puis après, il me balance 30 chaussures de cochon, niveau 5. Truc d'hôtel de ville niveau 9, très bien augmenté, donc je me suis fait défoncer, logique. En plus, ils s'en foutent des remparts, j'ai beau améliorer mes remparts au niveau 8, chaussures de cochon, ils les défoncent quand même. Et aussi, ils balancent bien ses soins et tout. Du coup, bah, il prend très rapidement l'avantage. Il prend très rapidement le dessus et il finit par péter. Et voilà. Puis ensuite, il vient avec sa reine des archers, tranquille. Hein. Bon, moi, je vais bientôt monter mon hôtel de ville au niveau 9. Je sais pas, je vais essayer pour Noël, peut-être. À voir. Bon, et puis sinon... Alors, les stats de guerre. Attaque plus héroïque, Cochignon, bah voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'attaque de lui. Ni de défense d'ailleurs, en vidéo. Date de cet été, je crois. La dernière fois que je l'ai mis dans une vidéo. Bon, par contre là, les dragons pas super bien lancés parce qu'ils étaient en tas. Après, c'est pas un village à dragons qu'il a attaqué. Donc pas étonnant si jamais il tient pas. Sauf que en fait c'est un village anti-cochon, mais pour les troupes aériennes il est facile à faire comme village. Ouais, parce que quoique, ah ouais si, le dragon a défoncé l'hôtel de ville. 50% tranquille, voilà. Et toujours le roi ici. Alors, moi je dois dire, belle attaque. Vraiment belle attaque. Si c'est une attaque héroïque, c'est qu'il doit devoir attaquer plus fort que lui. Pas un village à dragon, mais il a quand même réussi à faire 70%. Parce que les anti-aériennes étaient mal positionnés. Mais bon, c'était un village anti-cochon, alors... Oh, et puis Jenny qui s'est fait défoncer. Ah, ça qui s'est pas fait attaquer. Et je pensais à ça parce que... Ouais, enfin non, je vais pas parler de ça. Vous débrouillerez pour comprendre. Et ouais, je suis méchant, je vous dis pas tout. À vous d'essayer de deviner, mais je vous conseille pas d'essayer, et voilà. Ça vous servira à rien de toute façon. On peut pas m'éterniser là-dessus. Jenny, pour l'instant, ben, les ballons au début qui servaient à que dalle, et surtout les sorts de foot sur son anti-aérien. Bref, c'était un peu un coup de bâtard. Enfin, si je peux dire ça. Hein. Parce que, ben, quand même, balancer des sorts de... Des sorts de foudre sur un anti-aérien. Et ensuite, ben, ça fait qu'il n'y a que deux anti-aériens. Et c'est facilement facile. Oui, facilement facile. Oui, ça c'est logique. Et c'est facile à détruire, du coup. Bon, voilà, les ballons sont chassés d'ici. Mais malheureusement, bah, les dragons, ils restent trop nombreux. Et puis du coup, boum, ça défonce tout. Moi, au dragon, je ne prends jamais de 100%. Hein. Limite du 60%, du 80% maximum. Mais pas plus. Après, on n'attaque pas au dragon niveau 4 non plus. Mais... Voilà, il pète la tour d'archer, c'est fini. Dommage. Dommage pour Jenny. Et ouais. Dommage. Bon, passons. La défense la plus héroïque. Ah bon, on en a une. À eux, on n'aura réussi aucune défense héroïque. Je savais pas que François avait réussi une défense. Ok, il a désactivé une bombe, super. Alors, ok, ça commence à péter les archers, tout ça. Boum, on met en x2 parce que, voilà quoi. Pas faire une vidéo trop longue et que j'ai encore des trucs à montrer. Des attaques par exemple. Ouh la vache, tous les sorciers. Après, je peux comprendre que ça n'ait pas marché. Hein. Un go wipe avec trop de sorciers et très très mal lancé.
Il a même pas balancé ses PK en fait. Ouais, d'accord. Les casse-briques qui sont partis n'importe où. Alors, les PK qui vont pas où il veut. Lol, PK niveau 5. Il doit être un peu deg. Par contre, je sais pas si les PK d'avant, ils ont deux épées, mais je crois que non. Mais là, ils en ont deux. Enfin, des sabres. Allez, et voilà, boum. 29%. C'est sérieux? Waouh. C'est le seul à avoir résisté à un go wipe ennemi. Bon. Et puis, l'attaque la plus héroïque de nos ennemis, qui est Hollow World, à mon avis, sur Lenny. Donc, strike. Ah non, même pas. Bon, donc, on l'a déjà vu. Sur Xoc. Alors, où est-ce qu'elle est, cette attaque que je voulais montrer? Moi, j'avais attaqué. Oui, je montre après. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, mémo. Voilà, donc village. Pas fait pour les dragons. Oui, je montre cette attaque parce que je l'avais vu comme ça. Puis je me suis noté dans un coin. Ouais, il faut que je montre l'attaque de mémo. Parce qu'on n'y croit pas. Il n'y a pas un village de dragon et tout. Là, il a un dragon sur l'hôtel de ville. Le dragon se fait buter. Il y a toujours deux anciens aériens qui protègent l'hôtel de ville. Il n'a qu'un roi niveau 6. Les dragons, ils n'arrivent pas jusqu'à l'hôtel de ville. Ils sont du mauvais côté. Et puis là, il y a le roi des barbares qui arrive. Qui se fait attaquer par une valkyrie niveau 3. Ou 4, je ne sais pas. Qui survit. Il commence à taper le mur. Pendant que les deux derniers dragons se font buter. Et là, le roi, il vient sur l'hôtel de ville. Il bute le 3, qui l'affaiblit encore plus. Et puis là, il y a la Tesla qui l'attaque, mais il pète l'hôtel de ville. Et deux étoiles de Mimo. On n'y croyait pas. Mais il l'a fait. GG, Mimo. Alors après, Asa qui a perdu, bon, pourquoi pas. C'est pas très surprenant en même temps. Vu que le top 3 des ennemis, on gagne rarement contre eux. Ouais, donc quelques ballons niveau 6, ce qui est très violent. Et des dragons niveau 4, ce qui est encore plus violent. Mais en tiré niveau 7, ça fait encore plus mal. Donc il essaie de venir sur l'hôtel de ville, mais malheureusement, les tours de l'enfer qui font énormément de dégâts en mode solo, c'est le nord là, énormément de dégâts. Et les dragons, ils se retrouvent à court de vie, l'araignée des archers, il a juste son pouvoir pour essayer de survivre, mais bon, ça passe pas. Ensuite, Strike qui a attaqué Hollow World. Et qui a perdu lui aussi. Ah, malheureusement, je suis à court de temps maintenant. Désolé. Voilà, donc là on y croit, il se rapproche de l'hôtel de ville. Et ben non, tour de l'enfer en mode solo, au revoir les dragons. Et puis, le petit... Voilà ce de lave qu'il a balancé à la fin, dans ce sort de rage. J'ai pas compris à quoi il servait. Il fait pas de dégâts du tout, hein. Fallait l'envoyer au premier. J'ai pas compris. Bref. C'est pas grave, il aurait pu gagner sans ce fail. Et ben moi je vous dis à la prochaine, puisque, bah, voilà quoi. À la prochaine.